Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Faites pas attention à mes yeux si vous les trouvez un peu rouges, c'est normal, je fais une espèce de réaction, je pense, allergique à un produit. Bref, du coup, passons. Je suis là pour vous parler lecture, j'ai terminé une lecture et ensuite j'ai un update lecture à vous faire. Tout d'abord, j'ai terminé mon thriller polar très angoissant qui s'intitule donc Je suis le feu de Max Monnehé. C'est un tome 2 en fait. Le tome 1, je vais vous le chercher, comme ça je pourrais mieux en parler en fait. Donc le tome 1, c'était Son de Max Monnehé. Le tome 2, il y a des vieux reflets, je suis navrée. Je suis le feu. J'avais adoré en fait cette lecture, je l'avais lu il y a pas très longtemps d'ailleurs dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point. Et en fait on suit Victor Caran qui est un psychologue, on est dans le milieu carcéral, donc il exerce en fait sa profession à la prison qui se situe sur l'île de Ré, je me souviens plus le nom. On est également au niveau du décor vers La Rochelle, donc voilà, île de Ré, La Rochelle. Et donc dans ce premier tome, on va suivre en fait une affaire qui va toucher personnellement Victor, à savoir la femme du coup de son meilleur ami est retrouvée morte sur une plage. Et donc forcément les soupçons se portent sur son mari qui a un comportement extrêmement étrange. Et je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment le lire, c'est vraiment un thriller qui... où on se laisse prendre en fait par la surprise. Et donc le tome 2, je l'ai terminé là ce week-end. Aujourd'hui on est mardi et j'ai adoré vraiment, enfin je vous l'ai dit je pense dans le précédent vlog, mais pour moi c'est une écriture addictive, donc une lecture addictive aussi. Et là dans ce tome 2 c'est légèrement différent du tome 1, c'est à dire que Victor Caran va être employé entre guillemets pour résoudre, enfin du moins il va faire partie de l'équipe de la police criminelle. Il y a des femmes qui sont retrouvées donc à La Rochelle égorgées devant leur enfant de 10 ans qui lui n'a rien. Donc c'est l'œuvre évidemment d'un tueur en série et donc il est engagé par la police pour pouvoir être en fait en quelque sorte la personne référente en matière de typiquement profil de tueur en série, etc. Profilage, pour faire un peu du profilage, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il n'est pas réellement, il n'est pas impliqué personnellement comme dans ce premier tome, mais clairement c'est vraiment un tome 2 parce que il vous spoil là dans les 40-50 premières pages complètement le premier tome. Donc voilà, vous pouvez les lire indépendamment, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que si vous voulez lire le tome 1 après, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, clairement, donc je peux pas encore une fois trop vous en dire pour de peur de vous spoiler. Il y a une histoire avec le feu, hein, vous vous en doutez. On est sur un thriller, donc c'est-à-dire qu'on est également dans la tête du tueur. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très immersif comme lecture. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements. Typiquement, à partir de la deuxième moitié du roman, les rebondissements s'enchaînent, les révélations s'enchaînent aussi. Et la lecture était déjà très addictive. Ça rend la lecture encore plus addictive et même presque haletante. Vous voyez, en fait, Max Monnehé a ce don d'écrire des romans qui nous tiennent en haleine. Et typiquement, enfin moi j'adore. Voilà, je suis le public parfait, je pense, je ne sais pas. Pourtant, je lis pas beaucoup de polar thriller, mais je vous avoue que là, clairement, elle a fait vraiment fort. Donc premier tome, Sombre. Deuxième tome, Je suis le feu. Et j'ai vraiment préféré ce deuxième tome. C'est deux tomes différents, encore une fois, parce que d'un côté, il y a l'aspect très personnel où on en apprend plus sur l'histoire
personnelle, familiale, etc. de Victor. Et dans ce deuxième tome, on est plus sur des actions, même si dans celui-là, il y a des actions, mais c'est un peu plus voilà, mouvementé, on va dire, dans celui-là. Donc clairement, foncez si vous êtes à la recherche pardon, d'un thriller psychologique assez haletant. Je pense que l'écriture addictive, il y a une pointe, je voulais le souligner, j'ai oublié de le souligner, il y a une pointe d'humour à l'intérieur de ces romans. Dans le tome 1, il est relativement sombre. Et alors dans ce tome 2, ouais, il y a de l'humour mais à gogo, enfin clairement les personnages sont très très attachants et du coup parfois il y a des petites touches d'humour là qui sont juste hyper agréables. Enfin moi j'adore, hein, c'est de l'humour assez marrant. C'est typiquement à un moment donné, Victor dit à un de ses amis « t'es aussi réconfortant qu'une couverture chauffante en plein été ». Bref, vous voyez, c'est un peu le genre d'humour qu'on retrouve dans ce roman et je trouve que ça détend un peu l'atmosphère. Ce qui fait qu'effectivement, ce roman est pas hyper sombre, alors que la couverture laisse penser le contraire. Vraiment, c'était le premier tome qui était beaucoup plus sombre. Mais bref, les deux sont géniaux, donc voilà, encore une fois, je vous les conseille. Si vous êtes fan de thriller polar, clairement, foncez. C'était des lectures absolument géniales. Voilà, très bonne lecture. Pas de coup de cœur parce que vous savez que les coups de cœur chez moi c'est compliqué, naninanana. Mais très très bonne lecture, je tiens à le préciser. Ensuite, update lecture, j'ai commencé. Et je suis très loin de la fin. J'ai commencé du coup Olympe de Gouges, la bande dessinée slash roman graphique que je vous ai présenté dans le book haul du vlog précédent. C'est donc une espèce de... C'est pas une espèce, c'est une biographie sur Olympe de Gouges qui est donc une révolutionnaire entre guillemets féministe. Elle a écrit en 91 la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Clairement on suit sa vie, voilà, c'est vraiment une biographie écrite en sous format bande dessinée roman graphique. Je vous mets des petits extraits du coup si vous voulez regarder un peu le graphisme, merci Marie, je vais y arriver. Le graphisme est assez simplé, je trouve. Je suis pas méga fan, mais j'aime beaucoup ma lecture parce que vraiment j'en apprends énormément sur du coup cette femme. Je suis encore au tout début de sa vie, mais ça promet. En tout cas, ça m'intéresse bien pour l'instant. Voilà pour l'update, j'aime bien. Et ensuite, second update lecture, je suis dans La Tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, donc c'est publié aux éditions Hauteville. C'est une lecture commune que je fais avec Fanny, je vais y arriver, du compte Elle Bookine. J'en suis presque à la moitié. J'en suis page 172 sur 423 et j'aime bien. Je peux pas dire que j'aime pas, non, franchement j'aime bien, mais il me manque le petit côté addictif pour ma lecture. Au niveau du résumé, on suit une tatoueuse du coup de Henné qui s'appelle Lakshmi. J'arrive pas à dire son prénom. On est dans les années 50 en Inde. On est du coup dans la ville rose de Jaipur, je sais pas comment ça se prononce, je pense que ça se dit Jaipur. Clairement c'est très immersif comme lecture, on a de nombreux mots typiquement hindous qui rythment notre lecture, il y a un lexique d'ailleurs à la fin, un glossaire bref à la fin pour qu'on puisse comprendre en fait tous les mots et la portée des mots etc. Parce qu'ils sont pas traduits en français, mais vraiment c'est une chouette lecture où on est vraiment plongé en immersion en plein cœur de la culture indienne dans les années 50, donc c'est quand même très 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 rétrograde, vous en doutez, notamment au niveau de la place de la femme dans la société. L'Inde vient tout juste d'avoir son indépendance aussi vis-à-vis de la couronne britannique, donc vous en doutez, on est dans une ambiance assez ancienne. Ce qui fait que voilà, il y a des réactions de certains personnages, notamment des réactions de personnages masculins qui vraiment sont juste affreuses quoi. Mais ça fait partie
voilà, de l'histoire et ça fait partie du roman. Donc on la suit, elle, cette tatoueuse au henné, elle a fui un mariage abusif. Elle s'est mariée, enfin elle a été obligée de se marier à l'âge de 15 ans. Elle n'a pas réussi à avoir d'enfant avec son mari et donc elle décide de prendre son indépendance entre guillemets et de s'enfuir. Et elle va en fait découvrir le henné, pratiquer, enfin je sais pas si ça se dit le mot pratiquer le henné, mais du moins tatouer les femmes au henné. Et elle a beaucoup de talent et donc elle est repérée par Samir, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est un riche, un noble, un riche indien qui va donc lui proposer un travail à Jaipur. Son travail donc constitue à pratiquer le henné, donc à tatouer des femmes avec le henné, mais elle va également faire un autre travail. Je vous dis pas lequel parce que je pense que ça spoil un petit peu. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails en fait. Vous en doutez, il est question de la place de la femme dans la société. Il est question aussi de toutes sortes d'abus sexuels mais aussi psychologiques. Il est question de la culture indienne forcément. Mais aussi de la culture indienne, j'ai envie de dire, des années 50. Je pense qu'aujourd'hui elle a quand même un peu changé. Voilà, même si dans les grandes lignes on reste toujours sur ce système de caste et sur ce système de domination justement de certaines castes par rapport à d'autres, je pense qu'elle a un petit peu évolué. Du moins j'ai envie d'avoir de l'espoir et j'ai envie que cette société indienne évolue, mais je pense qu'elle a évolué. Malgré tout il est question aussi d'inégalité, vous vous en doutez, et je pense que, enfin là j'en suis page 170 et c'est déjà passé quelques trucs, mais il s'est pas passé énormément de choses quand même. Mais je pense que ce livre va nous réserver vraiment, je dis nous parce que je suis en lecture commune, va nous réserver vraiment de belles surprises. Pour vous donner une petite idée aussi, j'aime bien reprendre cette dernière phrase de la quatrième de couve. Dans une société qui oscille sans cesse entre le traditionnel et le moderne, Lakshmi doit trouver sa place tout en poursuivant sa quête de liberté. Sujata Massey écrit « Le romantisme du Rajasthan d'autrefois prend forme sous la belle plume d'Alka Joshi. » Alka Joshi maîtrise l'art du parfait équilibre entre découverte de soi et besoin d'amour familial. Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets, vous en doutez, qui sont évoqués dans ce roman. On a les liens familiaux, parce qu'elle a évidemment fui son mariage abusif et donc clairement la sentence, les ragots, enfin bref, la famille en fait, le père, la mère, la sœur de Lakshmi ont véritablement payé en fait tout simplement pour sa fugue, pour sa fuite, et ont été en quelque sorte des parias. Voilà, il y a une forte culture en Inde, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'imagine une forte culture comme ça j'allais dire du lynchage, de la persécution entre guillemets d'une famille qui ne respecte pas, ou du moins un membre de la famille ne respecte pas certaines traditions, certains codes sociaux entre guillemets. Voilà, il y a vraiment une sorte de discrimination qui est faite à cette famille. Et du coup c'est un roman qui est assez difficile quand même, voilà, je tiens à le préciser, mais j'aime bien ma lecture, voilà, ça fait un long update, mais j'aime bien ma lecture, je vais le continuer de ce pas. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense que c'est déjà pas mal. Je reviendrai du coup normalement, je sais pas quand, pour un prochain update lecture. Et recoucou, aujourd'hui nous sommes jeudi soir et navré, la lumière est vraiment pas terrible. J'aurais dû vous prendre en fait en pleine journée, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'en suis désolée. Du coup je viens pour vous faire un petit update lecture et je suis toujours dans La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi. C'est un livre du coup que je lis en lecture commune avec Fanny du compte Elle Bookin. J'en suis à la page 330, j'ai presque terminé, 330 sur 423 il me semble, parce qu'à la fin il y a un lexique, il y a des recettes, il y a l'histoire du henné, etc. Et je suis pas méga convaincue par cette lecture, j'aime bien, c'est une bonne lecture,
Mais ça va pas être la lecture de l'année, clairement pas. J'aime l'ambiance, j'aime comment l'intrigue évolue, mais c'est vrai que ça manque à mon sens de dynamisme, de rebondissement. Je trouve que l'écriture est vraiment bien et travaillée, mais il y a un mais entre guillemets, c'est-à-dire que clairement je la trouve un peu lente. Déjà le roman met pas mal de temps avant de se mettre en place, deux parties il me semble, parce qu'en fait le roman est divisé en parties. Il y a quatre parties si je me trompe pas, enfin bref, il y a quatre parties, j'en suis à la fin et je sais qu'il va se passer encore pas mal de choses parce que Fanny m'a dit qu'elle allait avoir pas mal de rebondissements à la fin. Et effectivement à partir de la troisième partie, carrément la deuxième moitié en fait du roman, il y a davantage de rebondissements. Mais malgré ça, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que j'ai pas spécialement envie de revenir à ma lecture. Vous savez, c'est un peu peut-être le post-coup de cœur qui doit pas mal jouer à mon avis. Je suis le genre de personne, une fois que j'ai un coup de cœur, bah, j'y pense et je reste un peu dessus. Et du coup, bah, mes prochaines lectures sont souvent impactées, entre guillemets, par ça, par ce fameux coup de cœur. Bon, désolée, si vous entendez du bruit, c'est Monsieur Auguste qui boit. Tout va bien. Et ça, c'était le train. Le train est passé, c'est bon. Donc voilà, je suis toujours dessus, clairement. Je vais essayer de le terminer là, ce soir. Enfin, il est quelle heure là? Il est presque 22h. Mais bref, je vais essayer de m'y mettre à fond et le terminer. Il me reste 90 pages. Au niveau de l'histoire, je crois que vous avez fait un petit résumé, mais pas vraiment finalement. On suit du coup Lakshmi qui est une femme qui en fait t'as toutes les femmes au henné en Inde. On est dans les années 50, milieu il me semble des années 50 si je me trompe pas. Oui, milieu des années 50 et en fait elle a fui un mariage abusif avec Hari qui dans son village du coup, un village à côté de son village natal, et ses parents en fait sont décédés, je vous spoil pas, c'est vraiment au tout début. Et en fait un jour, donc elle s'est construite toute seule, elle s'est construite pas un empire mais disons elle s'est fait petit à petit, elle a acquis en fait davantage de clientèle, de clientes pour la plupart, et s'est fait un nom entre guillemets à Jaipur dans cette grande ville. Et finalement un jour son passé la rattrape entre guillemets, et on a en fait sa petite sœur qui dont on ne connaissait absolument pas l'existence, qui va débarquer à Jaipur avec son ex. Enfin, c'est toujours son mari du coup, mais c'est le mari qui a la fui entre guillemets. Et donc là voilà, tout va la rattraper à ce moment là elle va devoir en fait s'occuper clairement de cette jeune fille qui a 13 ans quoi. Elle va du coup devoir s'occuper de cette jeune fille qui a 13 ans dont elle ne connaît évidemment pas l'existence avant de la voir, dont elle ne connaît rien, et elle va en fait vouloir l'élever. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir beaucoup d'intrigues, de cours, de faux-semblants, etc. qui font qu'elle va petit à petit devenir... Non, vraiment, ça me perturbe. Il a pas envie. Attends, regarde, faut faire la star, tu sais, de Marie, il faut faire la star. Et donc voilà pour du coup l'histoire, le résumé entre guillemets sur La tatoueuse de Jaipur. C'est une bonne lecture quand même, hein, même si voilà, y a pas mal de défauts selon moi, comme je disais, au niveau de l'intrigue. Enfin, je pense que c'est moi, hein, je pense que c'est clairement moi qui adhère pas avec le rythme. Il y a aussi peut-être une énorme dimension culturelle entre guillemets, c'est à dire qu'il y a pas mal de, comme je disais, de faux semblants. Lakshmi en fait elle a vraiment besoin de, pour être finalement
vu et reconnu et surtout énormément demandé par les dames de la haute société entre guillemets. Il faut qu'elle fasse pas mal de, pas des complots, mais il faut qu'elle s'arrange en fait. Typiquement, je ne peux pas trop vous en dire en fait pour pas vous spoiler, mais voilà, elle va devoir en fait un petit peu taire ses idéaux, taire ce dont elle a vraiment envie, ce dont elle a besoin. Il y a cette notion aussi de travail qui est assez prédominante avec notamment elle, Lakshmi, qui finalement s'est construite toute seule à force de travail, de bonnes relations aussi bien sûr, on va le voir dans ce roman, mais elle s'est faite aussi toute seule et c'est super intéressant d'avoir ce point de vue là d'une femme dans les années 50 en Inde, d'une indienne qui finalement part de rien et construit un peu tout. Mais bon, on va voir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, entre guillemets. Et finalement, son passé va la rattraper. Et surtout, on est vachement centré sur les relations entre elle et sa sœur. À mon sens, je tiens à le préciser, il y a quand même quelques discours qui sont inutiles. Enfin, j'ai trouvé que voilà, il y a quelques longueurs en fait dans ce roman. C'est pour ça que j'aime bien. Hein. Franchement, je passe un bon moment de lecture parce que je m'imprègne de cette culture indienne aussi, de ses odeurs, de ses couleurs, de ses motifs. Vraiment au niveau du champ lexical, des couleurs, des senteurs, etc. C'est quand même très riche et très varié, mais il y a un petit mais. Donc, comme je vous ai dit, sur l'intrigue, etc., sur les personnages qui sont finalement... Certains sont attachants, mais je trouve qu'on les développe pas assez. Donc voilà, bonne lecture, en tout cas dans son ensemble, quand même. Quand même bonne lecture. Mais c'est sûr que c'est pas la lecture de l'année, à mon sens. Si, en fait, j'avais un autre truc à vous dire. J'ai rédigé ma chronique pour Instagram sur ma précédente lecture, donc que je vous présentais en début là de vlog, qui s'appelle Je suis le feu. J'ai toujours envie de dire Par le feu, mais non, le titre c'est Je suis le feu de Max Monnehé, qui est un thriller entre guillemets, thriller polar, thriller psychologique slash polar. Et sur le coup, je me souviens avoir dit en vidéo que c'était une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Et en fait j'ai eu tort, j'ai changé d'avis le lendemain, au moment justement de la rédaction de ma chronique Instagram, c'est un coup de cœur, enfin clairement je me suis dit qu'est-ce qui t'empêche en fait de dire que c'est un coup de cœur, alors que clairement tu as tout aimé dans ce roman, que les rebondissements étaient là, que les personnages attachants étaient là, que l'intrigue elle était là, enfin franchement je trouvais rien à redire, il n'y avait aucun point négatif. C'était hyper addictif, enfin comme je vous l'ai présenté en vlog, enfin vraiment j'avais adoré Je suis le feu. Et donc je voulais repréciser que finalement c'est pas une très bonne lecture, mais c'est un coup de cœur véritablement. Et c'est pour ça que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo aussi que ce livre il passe après un coup de cœur, et du coup le pauvre pauvre livre, parce que c'est difficile pour lui. Voilà. Et je pense que mes prochaines lectures vont être aussi difficiles. J'avais eu exactement un peu le même sentiment après mon coup de cœur de juillet sur Nos espérances de Anna Hope. Il me semble que les lectures d'après, je ne les avais pas trouvées extraordinaires. Donc est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Dites-moi, je ne suis pas la seule. Est-ce que vous aussi, typiquement, les prochaines lectures après des coups de cœur, est-ce que ça vous fait la même chose? Je serais vraiment curieuse de le savoir parce que je sais pas si c'est la période ou si c'est moi, ou je sais pas. D'habitude, j'arrive à enchaîner, mais là, juillet, août, visiblement, après mes coups de cœur, c'est compliqué. Voilà, je blablate pour rien, du coup, je vais m'arrêter là. Et puis, normalement, je vous reprends demain avec, j'espère, mon avis final sur la tatoueuse de Jaipur. Voilà. Et rebonjour, je vous reprends. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et pas d'update lecture, j'ai pas encore terminé la tatoueuse de Jaipur, mais ça ne saurait tarder, je pense, d'ici
ce soir, j'ai vraiment envie de commencer ma nouvelle lecture, donc voilà, mais je pense que ce que je vous ai dit hier, c'était quand même assez complet. Je pense que mon avis va pas vraiment changer, c'est toujours très lent là, la fin est assez longue et c'est un peu embêtant. Je voulais en fait tout simplement vous prendre pour vous présenter ma pile à lire, ma pile pour le challenge organisé par Cécilia, donc du compte Instagram Cécilia Cherry Blossom si je ne me trompe pas. Et elle fait chaque année un challenge de l'automne, un challenge donc livresque mais aussi lifestyle. Je savais que j'arrivais pas à le prononcer. Lifestyle. Voilà, vous pouvez retrouver, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et je pense que vous devez connaître Cécilia. Oh, je parle de challenge automnal et j'ai la lumière qui m'arrive. Le soleil qui sort. Bref. Et du coup, je voulais voilà, vous la présenter parce que j'ai constitué ma palle et... je pense que c'est plutôt intéressant en vlog de vous la montrer pour déjà vous donner des idées lecture, ne serait-ce que ça, pas forcément vous inciter à participer à des challenges si vous voulez pas y participer, mais en tout cas le Happy Fall Challenge est un challenge de l'automne. Je suis Cécilia depuis maintenant je pense 2-3 ans, ouais ça doit être quelque chose comme ça, 2-3 ans. J'avais déjà participé il me semble à son Happy Fall Challenge. Du coup pas l'année dernière mais ça doit être l'année d'avant, j'avais bien aimé les catégories etc. Et je trouve qu'elles sont très larges les catégories donc ça englobe quand même pas mal de livres, vous avez vraiment l'embarras du choix et c'est ça que je trouve vraiment chouette dans son challenge. Petite touche automnale en plein été aussi, je pense que vous êtes aussi peut-être nombreux et nombreuses à aimer cette saison qu'est l'automne. Moi... j'ai pas vraiment d'avis, honnêtement je préfère effectivement quand il fait beau et chaud, mais quand il fait trop chaud c'est très désagréable pour moi, donc je sais pas, je pense que le printemps est une bonne alternative s'il pleut pas trop. Voilà, en tout cas au niveau de ma saison préférée j'en ai pas vraiment, je dirais plutôt le printemps pour le retour des beaux jours entre guillemets. Donc bref, trêve de blabla, je vais maintenant du coup vous présenter ma palle et les différentes catégories. Alors du coup ma palle se constitue... de tant de livres, il y en a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je ne me trompe pas il y en a bien 7, 7 catégories, je vais regarder avec mon petit carnet, 8, mais qu'est-ce que j'ai fait, 1, 2, 3, il y en a un que j'ai dû, ah oui, mais il y en a un que j'ai pas encore à ma possession, tout est normal. Alors la première catégorie du coup s'intitule Féerie d'automne et donc il faut lire un roman à l'univers féerique. J'ai choisi pour cela une saga que vous devez voir passer partout tout le temps. Il s'agit de Blackwater, donc là j'ai pris le tome 4. D'ailleurs j'organise une lecture commune sur ce tome à partir du 10 septembre. Donc le 10, je sais pas si on a bien entendu, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous souhaitez participer à cette lecture commune. Le but d'une lecture commune en fait c'est de pouvoir lire un même livre en même temps avec un groupe de personnes et c'est assez sympathique parce que comme ça on peut échanger sur nos impressions tout au long de la lecture ou alors à la fin de notre lecture et j'aime beaucoup en fait, depuis c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire des lectures communes sur les tomes de Blackwater, j'avais fait une lecture commune sur le tome 1, puis 2, puis 3, puis maintenant le 4ème et je pense que je vais continuer voilà jusqu'à la fin, je trouve que c'est assez sympathique parce que finalement au niveau de Blackwater, au niveau des tomes, on a des avis quand même assez divergents je trouve. Il y en a beaucoup par exemple qui n'ont pas du tout apprécié le tome 2 ou alors moins apprécié le tome 2 alors que moi personnellement je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, je l'ai préféré au tome 1. Voilà donc je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois les lectures communes. Donc pour la première catégorie, un roman à l'univers fantastique entre guillemets féerique, je pense que Blackwater rentre un petit peu là-dedans et si jamais ça ne rentre pas dans la catégorie... je lirai normalement Lady Helen, donc le tome 2, je l'ai pas là avec moi mais si vous voulez voir mon vlog précédent, j'avais fait un book haul retour de médiathèque et je vous en parlais. Ensuite la deuxième catégorie s'intitule À croquer et il faut lire un roman qui donne faim.
Et là j'ai choisi un roman que je dois lire en fait absolument, j'en ai profité hein, forcément pour caler des romans que je dois lire avant mi-octobre, c'est pour le trophée du Folio L 2022 et donc j'ai choisi Le Palais des Orties de Marie Nimier. Alors au niveau de la quatrième de couverture, ça parle des orties, comme vous pouvez le remarquer. Et en fait, la quatrième de couve n'est pas vraiment explicite. Clairement, on suit des cultivateurs d'orties et en fait, va y avoir une inconnue qui va arriver, qui va faire du woofing. Donc le woofing, c'est le fait d'arriver, enfin de... Comment expliquer? De... comment on appelle ça? Ah oui, contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. C'est joliment dit. En gros, voilà, elle travaille en fait avec du coup les personnes qui cultivent les orties en échange du gîte et du couvert. Et tous les habitants de la ferme, chiens et chats compris, tombent sous son charme. Même Nora, Nora qui est donc la mère, se montre décontenancée par l'irruption de cette jeune femme solaire. Et donc effectivement la quatrième de couve est pas méga explicite sur le à croquer, enfin en tout cas sur un roman qui donne faim, mais en fait en parcourant un petit peu, en regardant de temps en temps, finalement dans ma lecture j'ai trouvé des passages où il était question de recettes par exemple, de cuisine, etc. Donc je me suis dit que j'allais le caler pour cette catégorie, et sinon je vous avoue que j'ai pas d'autres romans en tête, donc si... on enchaîne avec la troisième catégorie, manoir, mon beau manoir, donc une histoire se déroulant dans un manoir, vous l'aurez compris. Et donc le titre est tout trouvé, le livre parfait, il s'agit du Manoir aux Roses de Tracy Reese, donc publié chez Charleston, c'est un nouveau il est sorti en avril il me semble, et je vous l'avais présenté également dans le vlog précédent. Il s'agit également de ma prochaine lecture, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Voilà, on est en 1895, on est à Londres et on suit la dame de compagnie d'Abigail Finch qui s'appelle Mabs Daly et qui est habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et sœurs, etc. Elle va arriver en fait dans un manoir. C'est un peu différent visiblement de la villa aux étoffes, déjà parce que c'est pas, ça se déroule pas à la même époque, là on est vraiment fin 19e, début 20e, contrairement à la villa aux étoffes où il me semble que ça commence un peu avant la première guerre mondiale, si je me trompe pas. Mais il y a toute cette ambiance de manoir que j'adore personnellement, donc je suis trop contente en tout cas qu'il rentre dans ce challenge et de pouvoir le lire tout de suite. Ensuite, on enchaîne également avec la quatrième catégorie, donc feuilles d'antan, il faut lire un classique. Et alors, je lis pas de classique de manière générale, mais j'en avais un dans ma palle. Il s'agit donc de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai jamais lu, Jane Austen? Je ne crois pas. Je crois que j'ai jamais lu Jane Austen. Ouais, je sais pas, mais je pense pas. Non, parce que Jane Eyre, c'est les Brontë. En tout cas, ce livre traînait dans ma palle depuis assez longtemps et je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. Alors après, je pense, parce qu'il est, il paraît pas comme ça, mais il est quand même assez épais et c'est écrit tout petit à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je pense me faire une sorte de découpage, pourquoi pas, sur tout un mois. Peut-être le mois de septembre, peut-être le mois d'octobre, je sais pas trop. Parce que, autre précision, je ne sais pas quand finit ce challenge. Je pense qu'il doit terminer à la fin de l'automne. J'imagine, Cécilia, détrompe-moi si je dis des bêtises ou quoi. Mais il me semble que c'est ça. Et clairement... je pense que sur un mois, je peux lire un classique. Mais ne lire que ça... vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je me demande même si je vais faire une lecture commune vu que je me fais un découpage. Dites-moi si vous êtes chaud pour une lecture commune de Orgueil et Préjugés. Voilà. Après si vous êtes pas chaud, je vous en voudrais pas. Parce que moi non plus je suis pas méga chaud. Donc
Voilà, ça me motivera entre guillemets. Ensuite, la prochaine catégorie s'intitule donc tricot et cardigan. Il faut lire un livre cocooning. J'ai pas le livre en question, j'étais en train de regarder là, mais je l'ai pas. En fait, il faut que j'aille le chercher à la médiathèque. Je vais lire Brasier, héritage et coup du sort. C'est un troisième tome d'une saga de cozy mystery. Je pense que les cozy mystery, par définition, c'est des livres très cocooning. J'ai toujours envie de dire cocooning, mais c'est cocooning en fait. Désolée, je bug un petit peu. Et donc le troisième tome, le premier tome, c'est Phantom, Cottage et Guet-apens. Récemment, j'ai lu le tome 2 dans un de mes vlogs. Mais là, je ne sais pas où il apparaît. Voilà, si vous voulez avoir mon avis sur cette saga que j'aime beaucoup. Ensuite, la prochaine catégorie s'intitule C'est épouvantail. Et donc, il faut lire un roman ou résumé angoissant. Et je pense que je l'ai déjà lu. Parce qu'en fait, je l'ai inclus dans cette catégorie et dans ce challenge. Si vous voulez, le challenge est sorti... Oh, quand est-ce qu'il est sorti le challenge? Il y a moins d'une semaine ou il y a une semaine? Je me souviens plus. Mais en tout cas, entre temps, le challenge est sorti et entre temps, donc, j'ai lu le roman. Donc il s'agit évidemment, mais je vais arrêter de vous en parler, de Je suis le feu de Max Manoé, qui a été un gros coup de cœur. Voilà, mais j'arrête parce que je pense que je vous ai déjà assez spoilé dans ce vlog. Je vous ai déjà assez saoulé, c'était le mot, dans ce vlog. Ensuite, du coup, la septième catégorie s'intitule Trésor d'automne. Il faut lire un roman qui évoque une découverte. C'est quand même très large. Et je pense que je suis bien. Encore une fois, j'ai intercalé des romans que je dois lire pour le trophée. Donc La collection disparue de Pauline Baird de Pérignon, qui est en fait où on va parler en fait d'une découverte à propos de la peinture, si je ne me trompe pas. Que s'est-il passé en 1942? Que reste-t-il de la collection donc de peintures, par exemple des chefs-d'œuvre impressionnistes, Renoir, Monet, Degas, etc. Du grand-père en fait de l'autrice. Que restait-il donc de sa collection lorsque l'appartement familial fut perquisitionné par les nazis? Et donc elle va enquêter en fait sur cette fameuse collection de son grand-père qui a disparu, et donc elle va découvrir. C'est pour ça que je l'ai inclus dans la catégorie, c'est pour ça que je pense qu'il rentre parfaitement. Elle va découvrir un petit peu tous les chefs-d'œuvre impressionnistes, mais pas que, de son grand-père, donc de cette collection. Et ben voilà, découvrir quand même pas mal de choses. Donc je pense, c'est pas vraiment une enquête, mais une quête, une découverte. Waouh, la lumière là. C'est une quête, une découverte, je pense. Donc je l'ai inclus. Encore une fois, dites-moi si... Enfin... Cécilia, dis-moi si clairement ça rentre dans la catégorie ou pas. Parce que je me suis vraiment creusé la tête pour ces catégories. Ensuite, la dernière du coup s'intitule Gare aux loups. Et il faut lire une histoire qui se déroule dans la nature. Donc là, pareil, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Parce que j'ai un hiver pour tout changer à Vert Cottage, mais c'est un hiver, donc je comptais le lire en hiver, hein, par définition, voilà. Et j'ai choisi cette fois-ci de lire, encore une fois, je pense que ça rentre dans la catégorie La mer à l'envers de Marie Darieux-Sec, que je dois lire donc encore une fois pour le trophée. J'ai pas mal de romans à lire pour le trophée. Et en fait, ces vacances, je l'avais pris dans mes valises, et sans faire exprès, je crois que j'ai... La couverture, je sais pas si on verra bien. J'ai un peu plié là le début de couverture, je suis un peu dégoûtée. Alors que je l'ai pas encore lu. Et donc on est sur... Alors le résumé est quand même très court, mais je pense qu'il est question de nature du coup, parce que on est au niveau de la mer et on va suivre donc Rose qui part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younes qui faisait naufrage et lui offre le téléphone de son fils. Rose est héroïque, mais seulement par moments. Et donc la mer. La couverture aussi est assez... Je sais pas, je pense qu'il peut rentrer dans la catégorie. Sinon je me creuserai un petit peu plus la tête. Ah oui, ah bah, j'avais mis des suggestions de lecture là. J'avais mis Là où chantent les écrevisses.
de je ne sais pas qui est l'autrice, je me souviens plus, mais je pense que c'est un peu d'ailleurs le livre événement du moment parce qu'il y a le film qui est en train de sortir et Là où chantent les écrevisses me tentait pas trop. J'avais à l'époque quand il est sorti en brochet, je l'avais vu, j'avais lu le résumé, je me disais ça pourrait me plaire, ça peut être intéressant pour moi, mais j'avais peur que ce soit super super triste et j'avais pas besoin je pense à ce moment là de roman déprimant, voilà, j'avais mis de côté entre guillemets. Et là il y a le film qui sort et la sortie poche aussi qui est sortie. La sortie poche c'était il y a pas longtemps si je me trompe pas. Donc du coup pourquoi pas, mais clairement je sais que j'aurai pas le temps de lire avec toutes ces lectures là. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des lectures imposées entre guillemets jusqu'à mi-octobre. Donc voilà, tout ça pour ça. En tout cas j'espère que cette petite sélection vous a inspiré entre guillemets si vous cherchez des lectures, si par exemple vous voulez participer à un challenge livresque pour cet automne. Je voulais du coup également vous parler de quelque chose, je suis désolée je regarde un peu le retour cam. Je voulais vous parler du fait que ça y est, on a atteint les 1000 abonnés là sur cette chaîne. Je vous en avais déjà un petit peu parlé le vlog précédent, en fin de vlog il me semble, et c'était un peu concret mais un peu abstrait. Là je réalise vraiment parce que comme vous le savez ou pas, vous pouvez ne pas le savoir et c'est tout à fait normal, je voulais vous en parler parce que de une il n'y a pas de tabou et de deux ça va un peu vous impacter aussi je pense, donc je trouve ça normal de vous en parler. Ça y est, je suis monétisée. C'est-à-dire que je peux maintenant désormais gagner de l'argent grâce à mes vidéos YouTube. Alors c'est un mot qui fait peur en France, gagner de l'argent, ou mais en fait si vous voulez, pour l'instant il n'y a pas grand chose hein, dans ma cagnotte, clairement je ne toucherai pas cet argent tout de suite. Pour tout vous dire, il y a 3 centimes actuellement, donc je vais aller loin. mais en fait ça va vous impacter parce que si vous voulez, ce sont les publicités qui donc rémunère les créateurs de contenu, et ne vous étonnez pas du coup si vous avez un peu plus de publicité sur mes vidéos, voilà, c'est de la monétisation encore une fois. On est pour, on n'est pas pour, bon moi je suis très contente en tout cas d'être monétisée, même si évidemment l'argent clairement je ne toucherai pas tout de suite parce qu'il faut atteindre en fait 70€ avant de pouvoir se verser, enfin récupérer cet argent. Donc j'ai clairement le temps de voir venir les choses hein, en toute honnêteté. En tout cas je trouve que c'est un juste retour sur investissement parce que finalement la production de vidéos c'est quand même du travail. Alors la production de publications sur Instagram c'est aussi du travail, nous sommes d'accord, mais c'est vrai qu'Instagram ne rémunère pas les créateurs de contenu, du moins pas avec, grâce à leur contenu, ils ne partagent pas en fait les revenus liés à la publicité, chose que YouTube fait. Voilà, si ça vous intéresse un peu plus de savoir pourquoi je suis monétisée, etc., je vous invite à chercher par vous-même. Vous pouvez même me poser des questions si vous voulez en commentaire. Hein. Mais voilà, je voulais quand même vous le préciser parce que ça vous impacte un petit peu, voilà, le fait d'avoir un peu plus de vidéos. Alors j'imagine hein, que vous allez avoir plus de vidéos. Concrètement, vu que je suis encore très très novice là-dedans, je sais pas trop si ça vous impactera plus, je pense pas. Mais voilà, c'est juste pour que vous le sachiez et juste pour vous remercier encore parce qu'évidemment bah, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos heures de visionnage que je peux être monétisée et c'est surtout grâce à vos abonnements. Bref, donc voilà, je trouve ça normal de vous en parler en fait, parce que je bénéficie de quelque chose, enfin un jour si j'ai 70€, je bénéficierai de ces 70€, voire plus, grâce à vous. Donc je trouve que c'est normal et j'ai toujours été très honnête, vous le savez, dans mes avis lecture, mais comme dans d'autres choses. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça, pour ce début. Ouh, 3 centimes, youhou, de monétisation sur YouTube, c'est grâce à vous, donc encore une fois, merci beaucoup.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo également jusqu'au bout si vous êtes jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à me mettre un petit commentaire s'il y a des livres dont je parle que vous avez lus ou alors qui vous tentent, qui vous font pas du tout envie, vous pouvez le dire aussi. Voilà, ça me fait plaisir de lire tous vos commentaires à chaque fois. Et puis maintenant j'arrête vraiment de parler et je vous dis à dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bye bye.